Clermont 14e accueille Marseille 4e. Marseille sort d'un match nul, un partout, lors du match à rejouer contre Nice. Des Marseillais qui n'ont remporté qu'une seule de leurs 6 dernières rencontres et qui entendent bien s'imposer sur le terrain du promu Clermontois. Clermont de son côté a également une série défavorable, une victoire sur les 9 dernières rencontres après un début de saison particulièrement réussi. Première opportunité pour Marseille sur ce coup franc, mais le ballon est trop fuyant pour Leonardo Balerdi. Marseille essaye de prendre les devants dans des conditions climatiques compliquées pour les deux équipes. Il pleut pendant tout le match. Sengiz Under s'empare du ballon. Le Turc réussit un beau mouvement. Under pour décaler Guendouzi. Guendouzi ne parvient pas à frapper. La défense clermontoise s'interpose, mais le ballon est glissé vers Bamba Dieng. C'est sauvé de justesse par Arthur Desmas. Quelle occasion pour l'OM. Desmas s'interpose et permet à Clermont de ne pas encaisser un but trop tôt dans le match. Marseille continue à avoir la maîtrise globale des événements. Ballon encore récupéré. C'est bien donné à Sengiz Under. Under dans la surface. Le pied gauche de Sengiz Under pour faire la différence. Très joli but de l'international turc. C'est son 4e de la saison. C'est parfaitement roulé dans le dos du défenseur. Petit filet opposé. Très très joli but de Sengiz Under. À la 25e minute, l'OM mène 1-0 sur le terrain de Clermont. Jorge Sampaoli est sans doute content de ce but. Ça fait 1-0 à la mi-temps pour Marseille. Mais il reste encore toute la seconde période et Clermont est une équipe joueuse. Les Clermontois essayent de jouer plus haut et se font contrer. Bon ballon de 2-0 pour Marseille avec Conrad De La Fuente. Ce n'est pas un tir suffisamment dangereux. Et Clermont encore largement le temps d'égaliser. Djima Levina pour lancer ce mouvement. Le centre, ce n'est pas très bien dégagé. Encore à Levina pour le tir. L'international gabonais rate le cadre. Dommage pour Clermont. Mais les occasions sont un peu plus dangereuses pour les joueurs de Pascal Gastien. Ballon récupéré. L'arbitre ne siffle pas de faute. Avec un ballon bien de la surface, la parade de Paulo Lopez. Le tir à bout portant encore de Djima Levina. Ça ne passe pas pour les Auvergnats. Et Marseille s'accroche à son score de 1-0. Dimitri Payet, entré sur le terrain, récupère cette balle. Le centre, la reprise de la tête d'Arkadiusz Milik. La barre transversale pour sauver Clermont du deuxième but marseillais. Grosse occasion pour l'OM. Il a manqué très peu de choses aux Polonais pour marquer le but d'une victoire certaine. Marseille reste donc sous la menace d'une égalisation jusqu'au bout. Mais celle-ci n'intervient jamais. Victoire de Marseille, 1-0 sur le terrain de Clermont.